sais ce que j'aime chez lui, c'est il laisse jamais la vie des autres ou un contretemps l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, tu vois. Et par exemple, il sait dire aux gens quand ils ont un truc entre les dents ou sur le visage sans que ça les gêne. Là, je sais pas comment il fait. Il est extrêmement organisé, il sait très exactement ce qu'il veut. Il se regarde pas souvent dans le miroir. Il est sensible, il pleure souvent devant les films. Il s'habille avec élégance, tu vois, il me fait pas souvent honte. C'est quand même rare pour un homme. Il disparaît dans son monde à lui. Henri, il est un peu comme lui pour ça. Tu sais, Charlie, il s'est fait tout seul. Ses parents, je les ai rencontrés qu'une fois, mais il m'a dit qu'il y avait eu pas mal d'alcool et un peu de violence dans son enfance. Du coup, il a quitté l'Indiana tout seul, sans filet, pour New York. Maintenant, il est encore plus new-yorkais que n'importe quel autre new-yorkais. Puis franchement, il est super doué pour fonder une famille avec tous ceux qui l'entourent. Tu vois, par exemple, avec la compagnie de théâtre, il a monté une équipe où tout le monde se sent intégré. Personne ne le laisse indifférent, pas même le stagiaire. Il se souvient de toutes les blagues. Ouais, c'est ça, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Et pas moi. Je suis tombée amoureuse de lui 2 secondes après l'avoir vu. J'ai jamais cessé de l'aimer. Même si maintenant ça n'a plus aucun sens.